Je suis malade. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour m'aider contre la toux? Parce que là, une toux. Ça, en plus, ça irrite. Ça, vous avez pas une idée, vous? Qu'est-ce que je pourrais prendre? Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Donc, vous avez vu aujourd'hui, mon alter ego est malade. Il a la crève, il a la toux, il a mal à la gorge. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme petit remède qui pourrait lui faire passer ça? Eh ben, un petit sirop de thym maison. Parce que le sirop de thym, c'est quand même antiseptique, ça aide pour les mucosités et tout. Donc, c'est un petit sirop de recette de grand-mère qui fonctionne super bien. Donc, je vais te montrer cette petite recette. Donc, on va pas traîner, on va faire cette recette. Allez, c'est parti, générique. Bon, alors pour faire cette recette de sirop de thym maison, il n'y a pas besoin de beaucoup d'accessoires ou d'ingrédients. On a besoin surtout, déjà, de 5 décis d'eau, tout bêtement, de 250 g de sucre, et évidemment, vu que c'est du sirop de thym, et du thym. Là, il n'y a pas tout ce que j'ai besoin, mais j'ai une partie, mais il vous faut 200 g de thym frais. Donc là, je dois avoir à peu près 100 grammes et j'en ai encore là-dedans à préparer. Et ben on va pas traîner, je vais vous montrer comment on va faire tout ceci. Bon, première étape et la plus chiante, ben, c'est de récupérer notre thym. Et faut qu'on récupère toutes les petites feuilles qu'on a dessus. On veut pas les grosses branches. Donc là, ben, on en a pour un moment parce qu'il faut vraiment. Voilà. Il faut tout enlever. Voilà. Donc ben, on se retrouve dans. Je sais pas. Dans 3 heures peut-être. Bon allez, c'est parti, à tout de suite. Alors voici pour l'instant où j'en suis. Hein. Et j'ai encore pas fini le premier parti. Et j'ai encore tout ça. Donc comme vous pouvez voir, c'est long, très très long, mais ça en vaut la peine. Bon allez, c'est parti, on continue. Bon bah voilà, après quasiment 2 heures de décutage, voici ce que nous avons obtenu. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va porter ceci. Il y a 2-3 petites cochonneries, de toute façon après on va y filtrer. Donc maintenant on va porter ceci à ébullition avec de l'eau. Voilà, hop là. Hop. Hop, maintenant en cuisson, on va porter à ébullition. Et surtout, on couvre. Donc maintenant, c'est du moment que ça part en ébullition, après on baisse le feu et on laisse frémir pendant plus ou moins 20 minutes. Bon là, ça a commencé à bouillir, donc ce qu'on va faire maintenant, on va descendre le feu. Et on va laisser ça pendant 20 minutes et puis on regardera ce que ça donne après. Allez, à tout à l'heure. Cela fait 20 minutes maintenant que c'est en cuisson, frémissant. Maintenant j'ai coupé le feu, on va laisser, voilà. Là j'ai éteint la plaque, on va laisser ici minimum pendant 2 heures, voire même plus. Si vous pouvez laisser une nuit, c'est encore mieux. Et puis on verra ça après, ok? Donc pour vous c'est d'ici quelques secondes, et pour moi bah ce sera demain. Hein. Allez, à plus. Et bah rebonjour, nous revoici combien? 15 heures plus tard. Pour vous ça fait quelques secondes, mais moi ça fait, c'est le lendemain, voilà. Ça fait 15 heures, donc notre petite mixture, elle est là-dedans. Voilà, on va déballer tout ça. On peut voir qu'il y a un petit peu de jus au fond. Donc maintenant, on va filtrer tout ça. Bon, voilà, après 15 heures, on a un petit peu de jus au fond. Là, on le voit ici. Hein. Donc on va déjà essayer de filtrer un peu tout ceci. Donc moi, j'ai pris tout bêtement ça avec ça. Comme j'ai pas de chinois, on va prendre une petite passoire. Celle-là, elle n'est pas terrible parce que je pense que j'ai réussi à tout en mettre partout. Celle-là, c'est pas mieux non plus, donc on va se garder la petite là. Et on essaiera de presser quand même le maximum de jus. On va déjà mettre ceci. Bon, vu qu'on a déjà pressé un peu, là-dedans, on a encore tout ceci, mais ceci, il y a du jus. Donc il faut quand même qu'on essaie de récupérer le maximum.
C'est pour ça que je disais qu'en chinois, ce serait pratique. Mais vu que j'en ai pas, faut qu'on trouve un autre système. Donc le seul système que j'ai trouvé à l'heure actuelle, c'est tout bêtement de prendre du papier ménage, du sopalin, enfin ce que vous voulez. Et puis pas le choix, c'est de le mettre dedans et puis de le presser. C'est la seule solution que j'ai trouvée à l'heure actuelle pour essayer de récupérer le maximum. Là, et après on prend et puis on presse. Ouais, vous voyez. Alors vous voyez pas, mais vous entendez, je récupère quand même encore. Vous voyez la quantité, vous voyez ce que j'ai mis, et j'en récupère. Donc il va falloir que je répète cette opération plusieurs fois pour essayer de récupérer le maximum. Parce que vu le temps qu'on a passé à s'en occuper, ce serait dommage d'en perdre la moindre miette. Là, on va essayer. On va pas en laisser une seule miette. Voilà. Hop. Là, c'est le premier filtrage vraiment pour enlever le maximum d'eau, enfin d'infusion, et enlever le maximum d'impureté, enfin le maximum de teint, hein, voilà. Et maintenant je vais répéter l'opération. Je vais répéter l'opération là dedans. Cette fois il est vide. Simplement je vais prendre juste une seule feuille. Cette fois je vais verser ce que je récupérais vraiment, parce que là on voit qu'il est bien foncé. Voilà. Cette fois je récupérais vraiment sans pureté, sans impureté. Donc j'aurais pu prendre un filtre à café pour filtrer ceci, j'en ai pas. Donc je prends un papier sopalin, un papier ménage, ça va tout aussi bien. C'est vraiment pour que le liquide traverse et que ça nous laisse vraiment un produit propre. Sans petits déchets, sans poudre, sans poussière, parce que le teint, quand vous le prenez, il a quand même de la poussière, hein. C'est un arbuste extérieur. Bon, maintenant que nous avons filtré tout ceci, nous allons calculer la quantité de liquide que nous avons obtenu. Alors, je vais la mettre tout de suite en milligrammes. Voilà. Alors voici ce que j'ai obtenu, c'est bien foncé comme vous pouvez voir, hein. Donc ça a bien macéré. Donc j'ai obtenu 420 grammes, parce que j'ai mis il y avait un petit peu plus que 5 décis d'eau au final, parce que j'avais un petit peu plus. Donc normalement, faut mettre la même quantité d'eau, enfin la même quantité ici, que de sucre. Donc là, si j'ai 420 grammes, c'est 420 grammes de sucre. Au début, je vous ai dit 250 grammes. Mais voilà. À mon avis, il y en a pour un petit peu plus. On va mettre 420 grammes. C'est parti. Je suis un peu à court. Hein.
Voilà. J'ai même 1 gramme de plus que ma recette, que mon poids de base. Et puis bah maintenant, on fait chauffer tout ce petit liquide pour bien faire dissoudre le sucre. Et du moment qu'après ça nappe notre cuillère, et ben on aura fini notre sirop. Voilà, cette fois on y est au niveau de l'état sirupeux. Là, quand je le retourne, maintenant si je fais comme ça, je vois bien que ça se sépare. Malheureusement, vous n'allez peut-être pas y voir, mais je suis vraiment à l'état, quand vous prenez votre cuillère, je suis pas sûr qu'avec la spatule en bois ça fonctionne bien. Malheureusement, pas suffisamment, mais avec ça, c'est pas, c'est beaucoup mieux. Là, et quand on fait comme ça, on voit que voilà, on voit bien ici et là, et on voit pas, on voit que ça se rejoint pas. Donc, on a vraiment deux séparations. Donc maintenant que nous avons fait ceci, on peut prendre une bouteille, transverser notre sirop à l'intérieur, et puis on va essayer de voir quelle quantité nous avons récupéré. Hop, alors on va faire une petite tare. Voilà, attention, c'est chaud, donc évitez de vous cramer, hein, ça peut être bien. Je vais y faire à côté et on viendra mesurer. Voilà, j'ai récupéré, je suis à 796, dont 796 millilitres pour nos chers amis français. Donc nous sommes à quasiment à 8 décis. C'est pas mal. Moi je dis c'est fort sympathique. Bon bah voilà, voici le résultat final. Il est quand même bien foncé, ce qui est normal parce que c'est du fait maison, vous trouvez pas n'importe où. Maintenant il faut le laisser refroidir. J'aimerais bien quand même pouvoir le goûter, ce serait quand même sympa. Donc on va essayer de se mettre juste une petite goutte. Voilà, j'ai vraiment mis une petite goutte vraiment légère, légère pour que je puisse le goûter. Déjà une bonne odeur de thym. Et il est vraiment pas mal. Donc vous pouvez l'utiliser sur plusieurs façons. Soit comme ça, si vous avez la toux, ça aide vraiment. Donc 3 cuillères par jour, matin, midi et soir. Ou tout bêtement en sirop. En volume de sirop pour 6 ou 7 volumes d'eau, je sais plus, ou en infusion dans de l'eau chaude avec un petit peu de miel, vous verrez, c'est magnifique. Et puis faire profiter mon alter ego qui a un peu la crève, voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Très long, je vous l'accorde, mais très savoureuse et très bonne pour la santé aussi. Produit naturel. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et on se voit la semaine prochaine. Allez, ciao ciao.